Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel sur Death Road to Canada, route mortelle pour le Canada. Alors vous savez, j'ai joué à un jeu où je suis allé dans différentes villes de France et j'avais dit bah la prochaine fois j'irai dans une ville du Canada, et en fait je me suis dit mais j'ai un jeu où ça se passe au Canada qui s'appelle donc Death Road to Canada. J'y avais déjà joué sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Cody Pépé et j'avais adoré ce jeu. Je me suis dit il faut quand même que je le présente sur ma chaîne parce qu'il est vraiment exceptionnel. En fait c'est une sorte de road trip simulator si on peut dire, qui est généré complètement aléatoirement, et l'objectif c'est de survivre. Et ce que j'adore, et c'est exactement ce que j'aime dans les jeux de zombies et qu'on trouve pas assez à mon goût, c'est que il y a un aspect survie et puis un aspect recherche. Donc on avance, on cherche des choses et ensuite on survit, etc. Donc moi je vous dis, regardez, vous allez voir, c'est hyper plaisant. Je ne vous garantis pas de vous emmener jusqu'à la fin ni même de gagner, mais j'ai vraiment super envie de vous montrer comment ce jeu peut vous plaire énormément. Voilà. Bon, du coup, après, on peut fabriquer nous-mêmes nos caractères, nos personnages, pardon. Donc, on peut carrément changer le nom, changer la tête, etc. Mais moi, je me dis, laissons faire le hasard. On commence un nouveau jeu. Alors, le jeu n'est qu'en anglais, hélas, à l'heure actuelle. Et ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Donc, je ne pense pas qu'il sortira en français. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'est moi. Je m'appelle Joshua. Et ça, c'est mon ami qui s'appelle Latesha. Et c'est parti, on start. Du coup, Joshua a entendu des rumeurs que le Canada est un endroit sain et sauf, et qu'il n'y a pas de menace de zombies là-bas. Avec, we've nothing to gain from waiting around. Oui, donc en gros, on n'a rien à faire à attendre en Floride, donc il a décidé de braver la route mortelle et de tracer vers le nord de du pays. Et donc, si j'ai peu ou pas beaucoup de nourriture, les vendeurs auront pitié de moi et m'ont donné des choses. Ok. Allez, hit the road, ça veut dire prenez la route. Donc là, hop, pour commencer le voyage, le groupe décide de récupérer quelques ressources dans une ville à côté. Dans l'idée de survivre à la route mortelle, vous avez besoin que... Oh non, il faut que vous récupérez le maximum de ressources que vous pouvez, et ensuite, tu auras besoin de trouver des façons de t'entraîner et de grandir ton équipe. Donc, est-ce que je vais, par exemple, dans le rest stop, donc ça, c'est une aire de repos, au Yard Mart ou à l'hôtel tranquille. Moi, je vais plutôt aller au rest stop. Quoique, je peux récupérer peut-être de la nourriture là-bas. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que le jeu, il est généré aléatoirement. Donc, les lieux, les événements, les survivants, les personnalités des survivants vont être totalement générés aléatoirement. Et ce qui se passe, c'est que l'heure à laquelle on va arriver dans les lieux va changer à chaque fois. Des fois, ce sera le jour, des fois, ce sera la nuit. Des fois, la horde de zombies sera hyper agressive, des fois, elle sera hyper lente. Et c'est ouf. C'est franchement, vous allez voir, c'est trop trop cool. Bon, bah, moi, je vais aller au supermarché. Donc le groupe a abandonné, a repéré un supermarché abandonné à côté de là. Donc on dirait qu'il a déjà été fouillé, mais peut-être qu'il reste des choses qui n'ont pas été fouillées dedans. Donc la taille de l'essaim de zombies est moyenne, les agressions sont très lentes, et c'est le matin. Donc on va aller vérifier ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ça déjà? Ah, ça c'est une lampe torche. Eh ben, tu sais quoi, je vais m'en donner une. Et Latesha, j'aime bien ce prénom, Latesha, c'est rigolo. Je vais lui en donner une aussi. Donc elle, Latesha, elle a une poêle à frire. On se croirait dans le film Battle Royale, je sais pas si vous avez vu le film. Et moi j'ai un scalpel, ouais c'est pas ouf ouf, hein. Bon. Et alors attendez, hop hop hop. Donc non, ok. Et alors après ce que vous pouvez faire c'est changer le rôle. Donc là par exemple moi Joshua c'est lui le lead. Et Latesha du coup c'est elle qui me follow. Après je peux décider qu'elle reste se reposer. Rest en anglais ça veut dire se reposer. Et statut, bon ben voilà, c'est pour si vous voulez en savoir plus sur votre team. Mais bon, moi je vais passer ça vite. Et voilà, oh purée, oh là là, j'avais oublié ça. Let's boogie, on va avancer. Allez, allez toi je te tue. Et voilà, hop là. Et alors ce qu'on peut faire c'est que pendant la team, on peut faire ça. Genre par exemple Latesha, je vais plutôt la mettre combattante. Voilà. Et alors en fait quand ils ont plusieurs armes, vous pouvez faire la possibilité soit plutôt de frapper, soit plutôt de tirer. Mais là comme elle n'a pas d'armes à feu, vous voyez, hop, je l'ai mise en agressive. Allez, ça dégage. Allez hop, oh, vous avez vu les... Il y a les intestins qui sont par terre.
Ah, mais j'ai un petit scalpel. Allez, hop, ça dégage. Hop, 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 les petits... Ouh, très bien. Oh, il est 10h40 du matin, effectivement. Très bien. Alors, voyez, là, ça clignote. Ça veut dire qu'on peut aller là-dedans. Ouh, j'ai trouvé de la food. Enfin, de la nourriture. J'adore. Et c'est trop bien parce qu'en fait, du coup, là, je peux pas trop vous montrer. Mais, regardez. Oh là, je vais sortir. Le zombie, tu m'as vu ou pas? Zombie. Ah, mais elle va le tuer. La Techa, elle est trop forte. Regarde-moi ça, là. Regardez, lui m'a vu, et normalement les zombies, ils traversent les portes en fait, parce qu'en général dans des jeux, quand vous sortez d'un bâtiment par exemple, et ou que vous sortez d'une pièce, bah les monstres, vous voyez, là il est sorti, c'est qu'il m'a suivi, et c'est ça que je trouve génial, parce que c'est au final hyper réaliste, alors que dans certains jeux, ça allait, alors que les graphismes sont exceptionnels, et ben ça allait pas du tout, et là c'est ça que j'adore en fait, c'est que... Il y a ce côté réaliste, et il y a le côté, voilà, on essaye d'esquiver parce qu'on veut économiser et tout. Oh, tiens, je vais prendre ça, et ça. Oh là, ils ont l'air un peu... Bon, mon scalpel, je vais pas aller loin. Tenez, je vais ramasser ça, je sais pas ce que ça est. Oh, c'est de la food. C'est de la nourriture, j'arrête pas de dire c'est de la food. Allez, on va aller regarder dans l'arrière-boutique, ou pas, c'est... Voilà, ça dégage. Ah, oh, j'ai trouvé du fuel, ça c'est parfait. Et la petite musique, elle est trop bien, j'adore. Est-ce que vous connaissez le film ? Bienvenue à Zombieland. Et ben, ça me fait clairement penser. Oh là là, oh là là, on va s'étendre. Au film Bienvenue à Zombieland. Et il y a le Zombieland 2 qui va sortir. J'ai vu la bande-annonce. Oh là là, je suis tellement hypé. Moi, je sais pas vous, mais c'est génial. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs qui clignotent? Ah oui, là. Bon, attendez, on va faire ça. Vas-y, ça dégage. Hop, 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 hop. Bon, allez, ah, la Techa, t'es trop forte. Allez, la Techa, viens avec moi. On va aller. Encore des toilettes ici? Attendez. Est-ce qu'il y a des toilettes qui brillent? Non, il n'y a rien. Ah là là, les zombies. Voilà. Ah, ça a été dégueulasse. Ah, vous avez vu quand vous marchez sur les organes et tout. C'est tout plein de petits détails que j'adore et qui font que ce jeu est génial. Donc le jeu coûte 13,50€. Si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien dans la description. Et de toute façon, je ne suis pas sponsorisé. Donc si vous achetez le jeu, il y a le lien. Ça ne change rien pour moi. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour que je gagne des sous avec. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller regarder de ce côté-là. Ouh, c'est exactement ce que je voulais. Ramasser tellement de trucs. Oh là là, oh là là, oh là là. Et bah ça, vous imaginez, c'est peut-être les pillards qui ont... Alors comment je fais déjà? Ah, j'ai pris la flashlight. Ah, mais j'ai pas d'arme en vrai. Et attendez, vous voyez, on peut faire ça et... Boum, jeter. Bon, j'ai un peu raté mon coup, mais c'est pas grave. Tchouk, 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 tchouk. Bon, bah il n'y a plus rien. Et bah je crois qu'on a tout visité, c'était pas mal. Hein. Franchement, j'ai bien fait de venir là. Et par contre, j'ai plus d'armes, donc je vais essayer d'esquiver, parce que... Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas à droite, qui clignotait. Poussez-vous, les gens. Ah, les gens savent. Ah, regarde. Il y a même un flingue, je n'avais... Non, la Techa, elle m'a volé le flingue. Eh, t'es sérieuse ou quoi? Vas-y, rends-moi ça, là. Vas-y, rends-moi ton flingue. Ah, bah, il n'y a pas de balle, de toute façon. Vas-y, fais ça. Ok, c'est trop bien. Et le gameplay est simplissime, je veux dire, ça se joue en 3 points. Ouh. Ouh. J'ai des balles. Voilà, ça dégage. Bon, il faut peut-être que j'économise un petit peu. Allez, on va partir. Je vais vous montrer la suite. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des trucs qui clignotent un peu? Bon, je vais changer d'arme. On va démarrer. Alors, quand vous voulez démarrer, c'est pareil. Vous mettez dans la voiture et tant que la voiture démarre, tu vois, vous pouvez klaxonner, ça attire les zombies. Mais tant que la voiture démarre, il faut appuyer plein de fois sur le bouton. Parce que... Il faut que j'appuie plein de fois sur le bouton. Parce que... Bah, c'est comme ça. Dans les films, vous savez, de zombies, quand il y a les monstres qui viennent, et ben, il faut toujours refaire... Et il est là, non, je veux démarrer. Et ben là, c'est pareil. Bon, j'ai gagné quand même 9 food, 14 fuel, gas, 12 medical, 47 balles de pistolet. Ah oui, j'en ai utilisé 3. Et 17 balles supplémentaires, excellent, de fusil à pompe. Ah oui, parce qu'il y a des fusils à pompe. Donc, le groupe est en train de s'asseoir autour d'un feu de camp. Ils ont trouvé ce campement était assez difficile. Donc ils sont en mauvais état de santé mentale, ils sont, on va dire, déprimés. Et le groupe mange bien. Est-ce qu'on chante une chanson ou est-ce qu'on fait des... Ou est-ce qu'on fait des plans pour demain? On va chanter une chanson. Donc le groupe essaye de garder ses esprits en chantant. Mais c'était pas une bonne idée. Du coup, le moral de Joshua a diminué. Et en fait, l'attitude de la Techa que je ne connaissais pas a été révélée. Et du coup, elle est neutre. Ah, c'est fort regrettable, j'aurais peut-être dû faire des plans pour demain. Oh, Joshua n'est pas content. Oh. Donc, on trouve un magasin. Il y a plein de mannequins dedans. À peine visible dans le noir. Et le store complet est, il fait vraiment assez peur, en fait. Mais il y a peut-être des objets à récupérer dedans. Et ben écoute, on va envoyer
tout le monde dedans. On va aller voir ce que c'est. Donc le groupe entre dans la Techa, se trompe avec un... confond un mannequin avec un zombie et attaque. Ce qui fait que Joshua a super peur et il a commencé à attaquer aussi. Et du coup Joshua et la Techa sont blessés, mais quelle idée. Bon moi j'ai gagné 7 food et 7 médical, mais quand même. Oh là là, ils sont hurt. Ok, oh là là, oh là là, oh là là. Donc... du coup, la Techa a utilisé ses, un kit de soins pour se soigner. Bon, alors, le groupe a... Je vais faire un niveau de plus, comme ça, vous verrez. Donc, le groupe a espionné une ville d'une certaine distance, et il y a beaucoup plus de zombies que d'habitude. Mais, c'est tôt dans le matin, donc ils vont être encore un peu groggy. Et au moins, au début. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, dans ce jeu-là, les zombies sont hyper actifs la nuit, et le jour, ils sont plutôt lents. Donc, c'est pour ça que, quand j'avais joué à ce jeu en live... sur ma chaîne secondaire, donc n'oubliez pas, je vous mets le lien dans la description, on a perdu sur, c'était la nuit complète, on n'avait plus de véhicule, on voyait rien parce qu'on n'avait pas de lampe, et il devait y avoir genre, sans exagérer, il devait y avoir 200 zombies, et on est mort, c'était horrible, il y avait 4 personnages, et les 4 personnages, petit à petit, il y en a un qui est mort, et puis un deuxième et tout. Bon, eh bien écoute, on va au gun shop, ou plutôt à l'appartement avec marqué la bannière help dessus. Oh, j'avoue que le gun shop, ça me donne envie, mais... On va aller sauver quelqu'un. Est-ce que je... La Techa est blessée, mais je voudrais la soigner. Comment je fais pour soigner quelqu'un? La Techa... je ne sais pas comment je fais pour soigner. Je ne sais pas. Alors là, j'avoue, je ne sais pas du tout. C'est étonnant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est juste de vous montrer le jeu. Vas-y, hop, exploser. Let's boogie. Alors, ok. Bon, moi, je vais... Il me faut une... vite, je vais essayer de fouiller, je vais laisser la Techa attaquer les gens. Oui. Ah super. Ah, je peux pas tirer parce que je n'ai pas de balles. Non, laissez la Techa tranquille. Non, la Techa. Non, la Techa est morte. Oh, j'ai fait tellement n'importe quoi. Oh non. Oh, vengeance, j'ai fait n'importe quoi. J'étais persuadé que le... mourrez tous, laissez la Techa tranquille. Oh non, j'ai tellement honte de moi. Bon, bah écoute, la Techa, je te porte et je te jette. Ah, oh, c'est tellement affreux. Non, bah je vais récupérer mon pistolet, ça va pas du tout, quoi. Non, mais tant pis. Comment je gère mes... Ouais, bon bah... Ah bah voilà, bah, j'ai récupéré 9 balles, mais c'est un peu trop tard. Oh non, la Techa, je suis désolé d'avoir jeté ton corps. Repose en paix. Attendez, je vais la prendre et je vais l'enterrer dehors. Parce qu'elle mérite une bonne sépulture. Oh là là. Oh non. Oh purée. Alors attendez, comment on fait déjà? Voilà. Ok, un petit coup de pompe. Voilà, un petit coup de pompe. Bon, où est-ce que... Oh... Ok, bon tenez, je vais porter ça, je vais le jeter sur quelqu'un. Ah non, non, tu manges pas la Techa. Laissez-la tranquille. Ah non, oh, y a tellement de zombies. Oh, y a tellement de zombies, je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais... Oh, désolé la Techa, je voulais vraiment pas te jeter, je te jure. Ah si, là-bas je vais fouiller. Non mais tant pis, je vais prendre mon pistolet et... Ah non mais j'aurais pas dû la laisser parce qu'ils vont s'attaquer à elle, elle va devenir zombie. Je veux pas, laissez-la tranquille, je vous ai dit. Oh, vite, il faut que je fouille. Oui, je fouille. Toi, je te tue. Il faut vite que je revienne parce que... Non, c'est bon. Oh, bah voyez, le jeu est... Ne pardonne pas. C'est quoi, spatula? Non, vous êtes sérieux, je vais garder mon pistolet, moi. Hello? Oui, voilà ce que je disais. C'est quoi, ça, d'ailleurs? Oh, disais-le, effectivement... Le jeu ne pardonne pas et la moindre bêtise que vous faites comme moi, ben voilà, hein, c'est un personnage qui décède. Allez, je vais l'emmener avec moi. Ah, c'est quoi, c'est, on dirait une baguette. Ma pauvre la Techa. Ah non, je peux pas la porter. Ah non, non. Non, non, laissez-la tranquille. Non, la Techa. Oh. Bon, si j'ai une fille, un jour, je l'appellerai la Techa. Bon, écoutez, je peux rien faire. je veux pas voir ça. Bon, là, là. Bon, franchement, c'est la partie de l'inutile, là, pour moi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous donne envie.
Ah, tu vois, ça a l'air cool. Ça. Oh, super, des balls. Pour attaquer avec mon pistolet. Bon, moi, je vais essayer d'esquiver. Dans la vraie vie, je pense que je ferais ça, en vrai. Si j'étais vraiment... laissez-moi tranquille. Oh. Oh, oh, ok, ok, ok. Je... Bon, vous m'avez saoulé. Hop, oula, je suis tellement pas vidé, en vrai. Voilà. Ok. Oh là 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 là, en vrai. Bon, attendez. Ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Au moins... Oh, oh, quelle galère. Ça bouge encore? Oh purée, oh purée, oh purée, oh purée. C'est une blague. Est-ce que je prends le couteau ou pas? Je ne sais pas. Non, bah écoutez... Pardon. Je vais garder... Ah mince, je peux pas passer. Je veux pas voir la tâche qui s'est fait. Ok, je peux pas passer. Oh bah toi. Ok, ok. Bon, c'est tout les trucs d'appartement, il y avait marqué help. Bon, je vais aller le chercher. Bon, la Tesha, elle est revenue. Oh non, il y a une grosse trace de sang. Oh, ils sont trop pas cool. Ah, c'est marqué la help. Bon, je vais juste aller voir. En fait, l'idée après, c'est si vous voulez aussi. Purée, non, mais ils s'excitent. Comme des puces là. C'est si jamais vous trouvez des lieux comme ça, faut tout visiter, faut faire attention, faut jouer avec un meilleur skill que moi, évidemment. Ne pas faire des bêtises. Ne pas se laisser submerger. Ok, ouh, 11 bases. Allez, on fait ça. Est-ce que je peux fouiller? Non, là, il n'y a rien. Ok, une balle, ça n'a pas suffi. Donc, l'idée, c'est... Oh, salut toi! Comment tu vas? Elle s'appelle Claudette. Elle dit qu'elle veut vraiment sortir de cet endroit. Elle demande si elle peut me suivre. Bien sûr, suis-moi. Ok. Ah, j'ai une très bonne idée. Alors, tu sais quoi? Follow me. Oh, elle a une arme. Oh, trop bien, elle a une arme. Bon, bah, je te promets de m'occuper. Oh, purée, quoi, chiche. Oh, oh, purée, j'ai peur. Je te promets de mieux m'occuper de toi que je ne l'ai fait. Purée, de quoi, chiche. Où il est? Il y a le zombie qui vient ou pas? J'aurais peut-être pas dû la mettre en mode... Vous voyez, je vais mettre en mode défends-toi. C'est-à-dire, ne fais pas la téméraire comme j'ai fait. Ok. Allez. Bon, j'ai raté mon coup. Ok, bon. Oh, cet appart est tellement immense. Mm-hmm. Non, on va se barrer. On va se barrer. Ça me plaît pas trop ce qu'il y a là. Là, super. On va se barrer, on va se barrer. Viens par là. Viens par là. Ok, parfait. Claudette. Bon, il n'y a rien à fouiller là. Ok. Non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Il y a l'air d'avoir trop de zombies. Et... Ah! Ok, parfait. On va essayer de fouiller là. Qu'est-ce qui se passe là? Ça bouge ou quoi? Oh. Kit de soins. Voilà. On y va. Donc là encore, il y a rien qui brille. Ah si, on va se dépêcher. Claudette, fais attention. Super, un peu de food. Hop là, on va passer vite. Et on va s'enfuir. Oh purée, pois chiche. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Vas-y Claudette, défends-toi pendant que je tire. Oh purée, merci Claudette. Oh merci, oh purée. J'ai plus beaucoup de balles. C'était ma dernière. Out of ammo. Vite, on passe vite. Là-bas, je crois que... On va partir. Voilà. Allez, vite, je starte. Ok. Ok, on a écrasé des zombies sur le passage. Bon, bah voilà. 47 zombies destroyed, quand même. Et un partenaire destroyed aussi. Hein, la pauvre Latesha. Je te jure, on ne t'oubliera jamais. Rip Latesha. Claudette nous a montré ses compétences. Donc elle est mauvaise en médic, très mauvaise en mécanique et en tir. Elle est bof en... Elle est plutôt mauvaise en force et elle n'a pas de fitness. Donc, ah, c'était... Je suis très content de t'avoir dans mon équipe, Claudette. Merci beaucoup. Voilà. Bon, et bien écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Je lis tous les commentaires et je réponds à la majorité d'entre eux. Et puis, ben, si ce jeu vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi. Moi, franchement, j'adore. Et j'adore cette sensation véritable de survie et de road trip. Donc, voilà. J'espère qu'il en est de même pour vous. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous. Et mieux que moi de la Tesha. Allez, peace out.